Bonsoir, bienvenue sur Live. Ce soir, on joue à FF14. Alors, comme d'hab, on lance le jeu et on affiche l'écran. Donc, tout a l'air de bien fonctionner. C'est plutôt pas mal quand ça marche du premier coup. Alors du coup, nous allons lancer la partie avec le personnage qu'on a fait ensemble. Qui a déjà eu le droit à un relooking mèche. Le monde est plein, il y a juste à attendre. Essayez, ça charge. Et donc du coup, on en était... Ah oui, la quête d'élémentaliste du coup. C'est-à-dire bonjour quand même à la compagnie. Je vérifie juste, il y a 50 minutes sur les... buff de guilde, je pense que j'aurai le temps de les refaire. Ok. Bien, nous allons pouvoir parler à Ismian. Ah, vous revoilà toutes les deux. Nous avons éliminé toutes les corruptions. Je suis au courant, je sais également que vous n'avez pas respecté mes consignes. Ne vous avais-je pas interdit de prendre des risques inutiles? C'est que la forêt, elle se lamentait. Je voulais à tout prix la libérer de cette souffrance. S'il vous plaît, ne grondez pas Kara, c'est moi qui ai insisté pour qu'elle m'accompagne jusqu'à la source. Rassurez-vous, je n'ai nullement l'intention de vous sermonner, ni Kara ni vous. Je commence à vous connaître, toutes les deux. Je savais pertinemment que vous iriez jusqu'au bout, quitte à désobéir et vous mettre en danger. Le monstre à l'origine de ces corruptions a profité de l'affaiblissement des sols après le fléau pour s'y infiltrer et appeler ses congénères. Akoman était un adversaire redoutable, l'éliminer n'a pas dû être une partie de plaisir. Pour cela, je vous adresse mes félicitations à toutes les deux. Sylphie, il semblerait que vous soyez enfin parvenue à emprunter la force de la nature. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'y suis arrivée sans même m'en rendre compte. Je voulais à tout prix aider Kara dans son combat, j'étais comme transcendée. Il est inutile de chercher une raison logique. Vous vous êtes ouverte à la nature et la nature s'est ouverte à vous. C'est aussi simple que cela. Quant à vous, Kara, vous avez encore fait d'immenses progrès depuis la dernière fois. Vous êtes désormais une élémentaliste accomplie. Le sort extra-soin est la dernière chose que vous apprendrez sous ma tutelle. Cela ne signifie pas pour autant que votre voyage est terminé. Bien au contraire, vous devez continuer à perfectionner votre art et servir la nature. N'oubliez jamais qu'elle veille constamment sur vous, où que vous soyez, rendez-le lui bien. Alors, on a du stuff. On va comparer par rapport à ce qu'on a. Ouais, on va changer. Hop. Ici le up. Oh, ce style. En mode poussin jaune. Bon, encore ça va. C'est... Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. On reprend notre tenue initiale. C'est quand même vachement mieux. Alors, du coup, maintenant, on va aller voir vite fait un truc. Donc, ça, on peut toujours pas l'afficher. C'est normal. Ça, je voudrais enlever le mirage. Est-ce que j'ai de quoi enlever le mirage? Voilà, qu'on voit la
La croix rouge, elle s'est enlevée, donc ça veut dire que le mirage est enlevé. Ça, j'aurais voulu le mettre de côté pour en fait le garder quand même dans ma table de mirage, en fait, pour faire un costume plus tard. C'est ça. J'ai déjà normalement tout le reste de la tenue, peut-être à part la jupe. La jupe, c'est celle-là, je ne m'en sers plus. Peut-être qu'on peut également enlever le mirage dessus. Je n'ai plus de dissipateur de mirage, c'est ça. Je n'en ai plus. Eh bien, c'est simple, on va aller en chercher. Alors, à ce niveau-là, pour en avoir, c'est un peu compliqué. Les acheter, ça revient un peu cher. Donc on remarque qu'on n'a plus de quête du coup de classe pour le moment. Ça reviendra plus tard, faut pas paniquer, c'est normal. Voilà, j'ai fait les quêtes jusqu'au niveau 30. Il faut que j'atteigne donc les quêtes de classe jusqu'au niveau 30. Et là, il faut que j'atteigne l'épopée niveau 30 pour pouvoir débloquer la suite. C'est totalement normal, il n'y a pas de souci à se faire. Donc du coup, je vais au marché. On me propose une gamme niveau, donc je pense que je vais aller la faire. On va leur demander si je peux jouer le rôle de heal. Peut-être que... Il y en a un qui voulait jouer heal, alors on va se renseigner. Quand même. Ah, vite. Retrait d'objet, on va en prendre 100. Hop. Retrait 100. J'arrive les gens, j'arrive. Hop. Et puis, est-ce qu'ils sont sur Discord? Ils ne sont pas sur Discord du tout, du coup, ben, pas de Discord. Voilà. Et eh ben au moins j'ai les levels pour ce donjon, ça veut dire que je laisserai personne mourir. En théorie. Donc les gars, niveau, c'est des petits donjons aléatoires en fait, parmi les donjons. Donc là. On fait un petit donjon en guilde. On a juste une personne inconnue du bataillon, c'est Stern, qu'on ne connaît pas. Et il doit avoir fait partie de la guilde et Senji également. Je crois qu'il n'y a rien à ramasser, non, c'est bon. Il y a Senji qui sourit aid, probablement parce qu'il est en live. Parce qu'ils savent que je suis en live et que du coup c'est filmé. Stern, en fait, il a une petite couronne à côté de son pseudo avec le petit marteau. Ça veut dire qu'il a augmenté, je crois, tous ses crafters et récolteurs, quelque chose comme ça. Il est mentor, du coup. Donc voilà. C'est plutôt un bel exploit.
Ils ont déjà tout ramassé, ils sont plutôt efficaces. Entre le mentor et mes camarades de guilde qui savent déjà ce qu'ils font, c'est super. Et ce passage-là va être long. Voilà. Il est derrière. Put. Ça peut pas pour comprendre. Il y en a un qui danse, il s'ennuie. Et il finance. Voilà. Là, fais le poulet. C'était une belle danse. D'ailleurs, c'est une très belle épée. Le côté s'il arrive. Ok, il y en a ramassé. Ah, je peux pas le prendre celui-là. Il faudra que je farme du stuff de mon level parce que à un moment donné il va être un peu obsolète mon stuff. Bon, j'ai le temps de voir ça arriver. Bon, hey. Okay. Et un petit gain de niveau. Je sais même plus à quel niveau je suis. Oh, oui, c'est vrai, j'ai oublié. C'est là où il faut ramasser des choses. Je gâte depuis tout à l'heure, mais. Oups. Je l'ai raté. Déjà pris place.
L'avantage d'avoir un bard dans l'équipe, c'est que tu cours quand même vachement plus vite. Vas-y. Si tu veux. Ah, j'étais trop lente. Ok, bon, on va laisser. Alors, ce combat-là, où bah, si les nouveaux ils se connaissent pas à la strat, ça peut être un peu compliqué. On va du coup soigner. Bon, j'étais pas dedans donc tout va bien. Rien d'autre à faire. J'ai l'impression qu'il l'a avant moi, ouais. Mon PC. Enfin. Je sais pas si c'est mon PC ou moi je me vois quasiment en même temps. Donc c'est vraiment une histoire de. Tu vois. Je pense que lui doit se voir interagir avant avec. Parce que moi je me vois en même temps, donc je pense que je vais avoir du retard. Je pense pas que ça soit mon PC, je pense que du coup c'est au niveau de la connexion. Je ne sais pas. On va le laisser faire, hein, de toute façon. Pas très important, c'est juste histoire de pas s'ennuyer. je crois qu'il s'est rien dit. Oh, j'ai pas regardé. Qu'est-ce que j'ai fait dedans? Pardon. Je le savais. Je l'ai senti me chatouiller les narines, mais je savais que ça arrivait. Éternuant en live, je savais que ça m'arriverait un jour. C'était obligé. On a déjà vu cette cinématique, on va la passer. Ils ne vont pas m'attendre. Bon, soit ils n'ont pas tellement besoin de moi.
Et j'ai encore. Non, je peux pas. Ah non, il est déjà parti le monsieur, donc bah, je ne peux pas. Donc ça, je peux pas. Hop, on passe. Il y a encore du monde. Hein. Quand même 16 en ligne, ça fait pas mal. C'est cool. Alors, du coup, je suis juste en train de regarder un peu les grades. Ok. Donc ensuite, on a quoi? Putain, je crois qu'on n'a pas grand chose d'autre en coffre de ciel. Du coup, je ne pense pas avoir besoin de quoi que ce soit d'autre. Je crois que pendant une période il y avait de la nourriture, mais là il n'y a plus, donc c'est pas grave. La nourriture c'est pas obligatoire, ça aide juste à augmenter un peu vos stats et à gagner un peu plus d'XP. Donc voilà. Ce qu'on n'a pas fait la dernière fois aussi, attribuer un job à un des servants, donc c'est à elle qu'il fallait attribuer. Définir une classe. Élémentaliste. Elle devient élémentaliste et au niveau de l'équipement, on peut lui donner des choses. On permet de nous délaisser de certaines choses. C'est cool. Là par exemple c'est par niveau 1. On va lui c'est une arme à deux mains, pas besoin de bouclier. Au niveau du chapeau, est-ce que j'ai quelque chose? Niveau 1, j'ai ça. Sinon il y a cette chose que je ne porterai jamais, n'est-ce pas? Niveau 1, j'ai pas. Après, j'ai pas non plus. Là, j'ai rien de niveau 1. Peut-être un Ramis. Ah, ça, je devais. Attends, il est déjà lié, je crois. Ouais. Ah, ouais, il est elle. Ah, c'est un sauf de niveau 1 qu'elle peut porter. Hein. Et. Après, je crois que c'est fort limité. Voilà. Bon, bah, c'est tout ce que je peux mettre pour moi. Il y a une fille qui m'envoie des sons pour me dire qu'il me soutient. Ou qu'il me supporte. Ou que je dis trop quand même. Ou que je parle trop. Je sais pas. C'était pourquoi? Parce que t'avais envie. Ok. Pour dire que t'es là. Pour dire que t'es là. Ok. De sort, du transport. Puis le transport, paix des vapes, ça me servira à quoi ça? Bon, soyez. Paix des vapes, si t'as la date là ou pour aller au. Comment ça s'appelle?
Refuge des sables, peut-être, ça doit être ça. Ok. Donc les attaches, elle peut aller travailler maintenant qu'elle a une classe. Elle n'est pas obligée d'être full stuff. Hein. Donc là, c'est vraiment travail de chasse ou vraiment exploration. Mais il faut des jetons. Donc là, on voit que j'en ai 9. Mais je pense que je vais juste faire un truc à un jeton et aller chercher des souples. Ça met normalement pas trop longtemps, je crois. Voilà, elle finira à 19h24. Déjà dans une heure. Je pense que c'est ce qu'elle est mieux. Okay. C'est tout ce que j'ai vendu par le passé. Okay. Attends, elle n'avait pas d'argent sur elle. Mais si, elle a de l'argent sur elle. Elle a vendu des choses, voyons. Moi qui me croyais juste fauché. Eh ben non, c'est une bonne nouvelle. Donc du coup, maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir, si j'avais dit enlever le mirage de ça, parce qu'en fait je voudrais les mettre en mirage un jour. C'est toi. Du coup, voilà, pour le moment, je préfère enlever la mauvaise apparence qu'il peut y avoir dessus. Enfin, c'est pas ça que c'est censé ressembler. J'aime bien mon haut là, mais j'ai envie de faire une tenue avec ce visuel là. Ben, s'il y a cette tenue à d'ancrer dessus, je peux pas. Donc, du coup, voilà, c'est tout ça qu'il faut voir. Ensuite, on va continuer la quête principale. Donc, on a été rendu à parler à Sancred près du campement à Malja. C'est là où les choses ont commencé à devenir intéressantes, mais qu'on a pas mal de blabla avant de pouvoir y arriver. Donc, let's go. Voilà. Et avec un peu de chance, on atteindra le niveau de quête nécessaire pour débloquer le chocobo. Un jour. Ça peut prendre un peu de temps. Temps pourri, évidemment. En pleine tempête. On va découvrir. Donc en fait la dernière fois on s'est arrêté, on est en train de rechercher, il y a des gens qui disparaissent et on cherchait la source de ces disparitions. Donc là on est en train d'enquêter avec Sancred qui nous aide. Ah Kara, je vous attendais. J'ai appris ce qui est arrivé à Sœur Oursen. C'est regrettable. Au moins, son innocence ne fait plus de doute. Maintenant, je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris de suspecter une aussi jolie prêtresse. Mais laissez-moi vous dire pourquoi je vous ai fait venir ici. L'autre jour, en observant Sœur Oursen au bazar doré, j'ai aperçu un Amalja au comportement suspect. Je l'ai suivi jusqu'ici et il est entré dans ce campement. Depuis, je n'ai pas quitté la sortie des yeux, mais je ne l'ai toujours pas revu. Pourriez-vous vous y introduire et essayer de retrouver sa trace? Je vous attendrai ici. Okay. Donc, un Amalja
au comportement suspect et on nous envoie enquêter. L'avantage de ce jeu-là, c'est que quand tu tues un mob, t'as pas besoin de ramasser. Parce que quand tu dois ramasser toute ta loot, qu'est-ce que ça peut être saoulant. Là, ça ramasse automatiquement, ça va dans l'inventaire direct, il n'y a pas de soucis. Juste faire attention à ne pas avoir ses sacs pleins. D'ailleurs, le bonus du chocobo, c'est qu'il y a la sacoche chocobo qui vous permet d'avoir des emplacements d'inventaire supplémentaires. Et ça, ça n'a pas de prix. Avec le craft et tout ça, bah, on est vite plein. Hein. Je suis niveau 43, ma quête est niveau... Attention, suspense, 19. Ouais. Ouais. Alors, qu'avez-vous découvert? Un tract. Faites-moi voir, joignez-vous à nous pour oublier votre vie de misère et profiter des richesses de Nald. On voudrait attirer l'attention de personnes dans le besoin qu'on ne s'y prendrait pas autrement. L'écriture est grossière et le contenu est en contradiction avec les préceptes les plus basiques de l'ordre Naldal. Il est évident que cela n'a pas été rédigé par un authentique disciple. Vous devez montrer ce tract à Sarursen le plus vite possible. Elle est en train de se reposer à l'auberge. Bon, elle est en train de me dire, bah, retourne là d'où tu viens. On va se taper. Pas envie de... Clairement pas envie de marcher. En plus, c'est la grosse tempête. Des vents à 130 km/h. Il s'est rien passé en ligne de particulier, j'ai l'impression. Voilà. Donc l'auberge, je crois que c'est par là-bas. Elle est là. Oh, bonjour Kara. Merci encore de m'avoir secouru. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Quel étrange message! Je suis sûre et certaine qu'il ne vient pas de notre ordre. Qui a bien pu écrire une chose pareille? Maintenant que j'y pense, une robe de disciple a disparu de l'église il n'y a pas si longtemps. Pensez-vous que quelqu'un se ferait passer pour un prêtre de l'ordre? Alors comme ça, le complice que nous cherchons se ferait passer pour un disciple de l'ordre natal. Afin de profiter de la situation désespérée des miséreux. On dirait que notre homme est plutôt rusé. Bon, je vais réfléchir à une stratégie pour le piéger. De notre côté, allez mettre Isambard au courant et dites-lui de se méfier. Okay. Toujours un temporide. Allons parler à Isambard. Isambard lui dit « C'est en se faisant passer pour un prêtre que ce scélérat attire les pauvres et participe à leur enlèvement. Merci de m'avoir prévenu, je vais ouvrir l'œil et le bon. » Ok. L'habit ne fait pas le prêtre. C'est le nom de la quête. Je n'ai remarqué aucune activité suspecte. Il n'y a personne que je soupçonne au camp. Mais tant que nous n'aurons pas identifié le coupable davantage d'innocents, en serons victimes. Ne désespérez pas, mon ami. Une idée me vient à l'esprit. Si notre suspect se fait passer pour un prêtre, faisant usage de tracts mensongers pour attirer les pauvres, eh bien, Kara et moi allons jouer le rôle de miséreux en détresse. Je vois. J'espère que ce stratagème nous apportera les réponses que nous cherchons. Ce ne sera pas sans danger. Mais je sais que vous deux êtes bien capables de vous débrouiller. Quant à moi, si je ne peux combattre à vos côtés, je sais comment me rendre utile. Voilà les vêtements qui feront office de déguisement. Il va falloir vous habituer à l'odeur.
C'est exactement ce qu'il nous faut, merci Zimbar. Des vêtements qui puent, bah yes! Écoutez Kara, pour que notre plan fonctionne, nous devons faire courir le bruit que de nouveaux réfugiés sans le sou sont arrivés aux os desséchés. Pour cela, vous allez revêtir cette tunique de berger usé, ainsi que cette paire de trousses de berger usé, et quémander du travail à l'intérieur du camp. Notre faux prêtre ne devrait pas tarder à l'apprendre et à vous aborder. Ok. Ah, le Kirin. Ah, mais c'est Oriane. Coucou Oriane. Me disait. En voilà un qui me tourne beaucoup autour, c'est étrange. Donc on montre membre de ma guilde qui vient me faire un coucou. Waouh. Ça dit vous montrez votre joie. Salut Oriane. Mon personnage, c'est se réjouir et ça dit vous montrez votre joie. Ben elle a pas l'air très joyeuse. Donc Zephyr sur le chat et Oriane Zephyr sur le jeu. Alors voilà, vraiment un rire de pouf. C'est terrible. Ouais, bah j'ai pas de monture alors. Me largue pas. Alors du coup, il faut que je mette la tenue. Sinon, ça marchera pas, ma quête. La tenue toute moche, là. Eh, ça y est, je suis en pyjama. Ah, ça pourrait être pire, les bottes cachent un peu. Alors, il y a des PNJ à parler. Putain, je me fasse une vraie barre d'emotes. Salutations, il y a quelque chose que je peux faire pour vous. Oh, je crois que nos articles sont bien trop chers pour vous. Je vous conseille d'aller troquer avec vos congénères qui se réunissent près de l'étang, à l'est du camp des os desséchés. D'accord, donc en gros le mec vient juste de me dire vas-y casse-toi t'es pauvre. Yes. J'en suis sympa ici. Ah, ça résonne bien en plus. Bon, on va avoir un deuxième PNJ. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je prêche la parole d'Aizema, la gardienne. Voulez-vous que je partage sa sagesse avec vous? Aizema, la gardienne du soleil, est la déesse de la justice. Tout est révélé à la lumière de son visage divin. Ouvrez-lui votre cœur et vous ne connaîtrez plus le besoin jusqu'à la fin de vos jours. Ah, flûte. Bon, bah, je sais que maintenant, au programme en ce moment, en fait, c'était censé être tout mon planning de la semaine. Ça marche pas. En gros, ça me met que la première ligne de ce que j'ai programmé de mettre. Bah, voilà. On verra. On verra ce que ça donne. Peut-être que je peux aller faire le paramétrage maintenant. Ouais, je dis pourquoi c'est pire. Il est même venu me faire coucou en jeu. Il est avec son Kirin et il tourne en ville pour montrer que moi j'ai toujours pas de monture. On va vite fait AFK. AFK, c'est un grand mot. Je vais juste aller voir sur le Wisebot s'il est possible de modifier ce petit souci sans s'afficher tout mon planning et pas juste la première ligne. Hein, c'est quand même un petit peu dommage. Normalement, ça devrait pas prendre longtemps. De toute façon, si je vois que je galère, j'arrête. Pas le live, bien sûr, juste le paramétrage. Ligne par ligne, aléatoire. Mais non.
Texte simple. Non. Mais je veux que ça mette. Vous devez ajouter une annonce ligne. Le nombre de lignes est illimité. Quoi? Ajout rapide. Non, pas aléatoire. Je veux pas aléatoire. Ligne par ligne. C'est une tristesse. Alors la fréquence je l'ai. Moi je veux qu'ils mettent tout en fait. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Par ami, je comprends pas. Ah les paramétrages, franchement. Si je fais qu'une seule ligne avec tout mon programme. On triche. À un moment donné, il faut pas déconner. Hein. Même là, ça me fera plusieurs lignes. Alors, il va falloir que je trouve une autre solution, je pense, pour afficher mon programme. C'est un petit peu triste hein, de l'avoir en ligne par ligne comme ça. Bah, parce que le truc, c'est que ça va annoncer. J'ai pas de solution. Je pense que je vais arrêter là pour la configuration. Arrêter mon AFK et retourner jouer bien sagement. On verra ça tout à l'heure. Hop. Quittons ça. Et allons trouver les PNJ qu'il nous faut. Attends, si je me décide, tu sais quoi? Pour ne pas vous laisser dans le suspense de ce qui se passe sur ce live, je vais finir la phrase de mon bot. Voilà. Mais du coup, il n'y a pas les espaces entre les trucs. Ça fait un pavé. Voilà. Qui es-tu? À voir ton accoutrement, tu dois sûrement être une réfugiée qui vient d'arriver au hameau. Les immortels n'ont pas de travail pour toi, va-t'en et ne crée pas de problème. Bon, moi ça a le mérite d'être clair. Hein. C'est un peu un casse-toi tu pues. Que c'est triste. Juste quand j'allais en venir au meilleur moment. Tu cherches du travail? Désolé, mais on n'a pas de place ici. Maintenant, sors d'ici, que je puisse continuer mon histoire. Ok, bon, ben... Ils ont pas de travail, et qu'à soi. C'est ce que ça veut dire. Je crois que le personnage est pas à l'intérieur, mais en haut. Genre, juste en haut, là. Que je trouve un moyen de mettre tout mon programme sans que ça fasse un gros pavé comme ça. Et que ça mette pas ligne par ligne, sinon ça va être insupportable. Qu'est-ce que c'est? Voilà que ça recommence. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu as le droit de harceler les gens comme ça. Et si tu allais rejoindre tes semblables au bord de l'étang boueux à l'extérieur du camp? Bah ok, bah vraiment, ils sont méchants en fait. T'es pauvre, tu ne vaux rien. Tu te traites comme de la merde. C'est assez sympa. Vous savez vous y prendre pour vous faire remarquer, car tout le camp ne parle que de réfugiés récemment arrivés. Et bien que nous n'ayons pas réussi à attirer l'attention de notre homme, nous avons appris que de nombreux pauvres vivent au bord de l'étang qui se trouve à l'est du camp des eaux éthérées. C'est un endroit qui n'est pas surveillé, et donc tout indiqué pour des enlèvements. Okay. Nous allons nous y rendre et attendre que ce faux prêtre nous approche pour faire son petit manège. Inutile de dire que vous allez devoir garder votre déguisement. Mon déguisement il pue.
C'est pas grave, on va garder le déguisement qui pue. Et on va aller au bord de l'étang. Pour aller se faire enlever. Bah oui, trop bien. Un aléa. Et bah non, moi je vais à ma quête. Donc c'est un peu plus en haut, je crois, qu'il est... Non, Craig, il est là-bas. Une parfaite journée pour partir à la chasse au faux prêtre, n'est-ce pas? Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre que notre proie montre le bout de son nez. Pauvres âmes en peine, aucun être humain ne mérite de vivre de cette façon. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Soyez rassuré, mon enfant. Je ne vous veux aucun mal. Je suis un disciple de l'ordre de Natal. Et je suis ici pour vous porter secours. Tenez, lisez les enseignements de Nald qui sont inscrits sur ce papier. Croyez en eux et vous serez libérés des chaînes de la pauvreté. C'est très tentant, mais j'ai bien peur de ne pouvoir accepter. Quel pitoyable acteur tu fais, Ungus. Quoi? Comment avez-vous su? Vous m'avez piégé. Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Je n'ai pas eu d'autre choix pour protéger mes proches. Vraiment? Continue, je t'écoute. Très bien, je suis marchand au Bazar Doré. J'y ai toujours vécu. Il y a quelques lunes, les attaques des Amalja ont commencé. Ils apparaissaient aussi soudainement qu'une tempête de sable, détruisant et pillant sur leur passage. Nos défenseurs étaient trop peu nombreux pour leur tenir tête, et nous vivions dans la terreur. J'ai voulu protéger les habitants du bazar, mais la seule chose que le marchand que je suis pouvait faire, c'est tenter d'entrer en contact avec les hommes bêtes en espérant conclure un marché. Les Amalja ont accepté d'épargner le bazar doré, mais en échange, ils ont posé leurs conditions. Leurs conditions? Quel genre de conditions? D'abord, ils ont exigé de connaître les horaires de sortie des chargements de cristaux des mines de Nanawa. Pour les obtenir, j'ai dû soudoyer un des mineurs sur place. Ensuite, ils m'ont forcé à leur amener des prisonniers. C'est là que j'ai commencé à me faire passer pour un prêtre afin de tromper les faibles pour ensuite les remettre aux Amalja. Je n'ai pas eu le choix. Protéger son foyer est une chose, mais sacrifier des innocents? Tu aurais pu demander de l'aide aux immortels, mais tu ne l'as pas fait. Je te soupçonne de ne pas tout nous dire. Qu'est-ce qui t'a poussé à vendre les tiens? Parle! C'est que les Amalja... Quoi? Parle enfin! Les Amalja m'ont offert tellement d'argent, je pourrais vendre de la viande de taupe toute ma vie sans gagner une fraction de ce qu'ils m'ont payé. Tu as sacrifié de pauvres innocents juste pour te remplir les poches? Les mots me manquent pour exprimer le mépris que je ressens à ton égard. Peu importe votre mépris, si vous voulez un responsable, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même, ou au dieu. Ah, encore toi! As-tu aussi donné à l'ennemi le parcours des patrouilles des immortels? Parle! Non, je ne sais pas de quoi vous parlez, je le jure. Après tout ce que tu nous as raconté, j'ai du mal à te croire, mais peu importe. Nous connaîtrons la vérité bien assez tôt. Bon, et là, voilà. On va éviter là. On va éviter le massacre. Kara, pourriez-vous aller mettre au courant Milfilia de ce que nous venons d'apprendre? De ce que nous venons d'apprendre, oui. J'ai fourché, exactement. Je vais continuer à faire parler ce vaurien pour obtenir davantage d'informations. Les personnes enlevées sont peut-être encore en vie. Notre plus grande priorité est de les sauver.
Et donc du coup là, il faut que j'aille au refuge des sables. Et c'est là où je pense que mes billets vers la baie des vêpres peuvent être utiles. Si c'est pas magnifique. Et ça, je crois qu'on l'avait pas avant. Il me semble qu'avant, on n'avait pas ces trucs de TP pour la baie des vêpres. J'ai plus d'eau. Ah, quelqu'un est en train de remettre les bienfaits. C'est cool. J'ai oublié d'en racheter d'ailleurs. J'espère que je le fasse. Ah, c'est jour. Vu qu'il y a les sadiques, il y a moyen que... Non. Non, ils ont mis autre chose. Ok. Je pensais qu'il y avait les sadiques ce soir. Si, ils ont l'air d'être... de se préparer. Je pense que c'est pour ça que... Yann est venu me faire un coucou, il avait 5 minutes avant de repartir. Eh bien, si tu es encore sur le live et que tu m'entends, très bon sadic à toi. Le sadic étant du contenu HL qui fait souffrir. Voilà. On m'a parlé à Minfilia. Je suis heureuse de te revoir, Kara. On dirait que Sancred et toi formez une bonne équipe. Je vois. Tu as fait du bon travail pour obtenir ces renseignements. Merci d'être venu me prévenir aussi vite. Comme l'a dit Sancred, nous devons découvrir où ces malheureux sont gardés prisonniers. Et ça, seuls les Amalja le savent. Bien sûr, ils ne partageront pas facilement une telle information. J'ai bien peur que davantage de sang coule avant que cette histoire ne se termine. Kara, il y a quelqu'un que j'aimerais que tu rencontres avant de te lancer dans de nouvelles aventures. Il s'agit d'un gobelin du nom de Mutamix. Mutamix est expert dans une technique spéciale d'amélioration des armes et d'armures. Or, il aimerait aujourd'hui l'enseigner au plus grand nombre. En ces temps difficiles, il a choisi de partager ses connaissances pour aider comme il peut. Il a donc choisi une région d'où les habitants n'ont pas de préjugés envers les gobelins pour commencer à enseigner cet art. Je vais te confier une dague pour qu'il puisse te montrer en quoi cela consiste. Mutamix est établi dans le Tanalan central, au lieu dit des fumerolles. Tu devrais pouvoir repérer l'endroit à la fumée étrange qui s'en échappe. Ok. On va se TP direct. Hein. On va se TP direct. On l'a déjà vu pour les matériaux, je crois bien. Il me semble qu'on avait déjà fait une quête avec lui, mais il en donne plusieurs. Bon, par contre, c'est bon, je peux peut-être reprendre ma tenue. Peut-être un peu mieux. On va pas se balader en berger éternellement. Donc, nous allons pouvoir aller là-bas. Qu'est-ce qu'une aventurière fait ici? Eh bien, c'est une très bonne question. L'âme d'une lame porte les larmes de l'homme. Quoi? L'âme d'une lame porte les larmes de l'homme? Ok. Et les matérias en sont l'expression matérielle. Matéria qui luise, brille et scintille, changeant en joyau la vieille pacotille.
Ouais, en plus, ils nous font de la poésie, bah yes. Car le pouvoir de la symbiose est ainsi transmis, la pièce transformée porte la mémoire d'un ancien ami. Oh, c'est prodigieux ça! L'aventurière n'a rien à faire ici, si? Ah, d'accord, on jarte déjà? Oh, l'aventurière est envoyée par Minfi? L'aventurière pourrait le dire plus tôt. Minfi m'avait prévenu de sa venue. Alors l'aventurière ne connaît pas les matérias? Elle ne sait pas que son équipement porte la marque de son âme? Les matérias sont l'âme et la mémoire des armes et des armures. Que l'aventurière fasse voir cette dague. Elle est nulle? Et si l'aventurière n'y sertit pas de matérias, elle le restera? Bien sûr, il parlait de l'arme. Prenez, maître. Que tous regardent bien, surtout l'aventurière. Une fois l'arme sertie, elle brillera d'un nouvel éclat. Tadam! Ça y est, c'est prêt. L'arme nulle a fait nouvelle peau. L'aventurière peut la ramener à Minfi maintenant. Une matéria représente la cristallisation de la mémoire d'une arme ou d'une armure qui vous a longtemps servi et dans laquelle vos souvenirs sont gravés. Fixer cette cristallisation sur un autre objet permet de lui conférer de nouvelles capacités. Hérité de l'objet dont l'essence des souvenirs a été transformée en matéria, on parle de sertissage de matéria. Même une arme médiocre comme ta dague peut devenir plus intéressante combinée avec une matéria et bien sûr les armes déjà performantes peuvent devenir encore plus puissantes. L'aventurière est une chercheuse et veut tout savoir des matérias. Pour en savoir plus sur les matérias, il faut d'abord maîtriser l'artisanat. Seuls les artisans peuvent manipuler les matérias. L'aventurière doit s'exercer et combattre aussi. Quand l'aventurière aura assimilé l'art du sertissage, ses équipements battront tous les autres. Si l'aventurière veut tout savoir des matérias, elle doit parler aux disciples de Mutamix qui lui diront tout. Ok ? Et donc il faut que je retourne au refuge des sables. Heureusement qu'on m'a donné des TP gratuites. On va en faire très bon usage jusqu'à avoir le chocobo parce que ça sera de la mort. Alors, c'est parti. On a une quête bleue là-bas, on va la prendre. En route pour Alatali. Et l'aventurière, toi qui ne lésines pas sur les efforts, tu mérites que je te fasse connaître mon petit coin préféré. Caché dans le Tanalan oriental, loin de l'agitation de la cité des sables, j'ai nommé Alatali. C'est un ancien camp d'entraînement de gladiateurs qui a été établi il y a une centaine d'années. L'endroit a été complètement ravagé lors du fléau et est désormais abandonné. Sauf qu'il s'y passe toujours des choses. Il y a tout un tas de créatures plus dangereuses les unes que les autres et qui rôdent à l'intérieur. Pour quelqu'un comme toi qui n'a pas peur de se mesurer aux primordiaux, spoil alerte, Alatali est l'endroit rêvé pour se perfectionner et trouver des trésors. Du coup, je me suis permis de parler de toi aux soldats des immortels qui sont chargés de la surveillance du site. Adresse-toi de ma part au premier classe Papa Johnny. Il te dira ce que tu as besoin de savoir. Eh bien, on ira le faire tout à l'heure, puisque il est niveau 20, il est moins haut level que ce qu'on a fait l'autre jour au temple de Karn. Temple de Karn qui, je le rappelle, avait quand même un sacré gap, hein, 35. Voilà. En gros, on a fait un donjon 15, 16, 17, on est passé à 35 direct. Il y a tout le monde qui est mort, on n'a pas compris. C'est parce que j'avais pas le stuff et que le tank non plus, parce que le tank a dû faire la même chose que moi. Du coup voilà. Donc là on a Alatali niveau 20, ce sera déjà un peu plus faisable. Juste c'est sur quelle map c'est au Tanalan oriental. On ira. D'ailleurs, on a ce qui dit Tanalan. Je
préfère dire Tanalan, je trouve ça plus mieux. Ah, te voilà. Alors la technique de Mutamix t'a impressionné? J'espère que ce petit voyage s'est révélé instructif. Tu as quelque chose à me rendre, n'est-ce pas? Voilà ta dague. Il paraît qu'elle est nulle. C'est vrai que la simple présence du matériau change la donne. Même si l'art du certissage n'est pas à la portée de tout le monde, j'espère que tu envisageras d'essayer. Cela pourrait être utile pour les aventures, pour tes aventures. Tu vas sans doute devoir affronter des adversaires de plus en plus redoutables à l'avenir, il va falloir faire très attention à ton équipement désormais, et chaque amélioration que tu peux y apporter te donnera un avantage qui pourrait se révéler décisif. Après cette interlude, j'aimerais à présent te parler de ta prochaine mission. Sancred nous a justement contacté, il y a de nouvelles informations. Yes. J'ai de nouvelles informations au sujet de l'affaire du vol de cristaux et l'affaire des enlèvements sur lesquels tu as enquêté. Tu te souviens qu'Ungust, le marchand qui se faisait passer pour un prêtre et qui était de mèche avec les Amalja, nous avons réussi à lui soutirer quelques détails de plus. Il a avoué qu'il devait revoir prochainement ses contacts Amalja, pardon, en vue d'un nouvel accord. Les Amalja ignorent qu'Ungust a été démasqué. Nous avons donc une chance de leur tendre une embuscade si nous les attendons à leur prochain rendez-vous. Les Immortels souhaitent justement profiter de cette occasion pour tenter une action contre les Amalja. Nous voudrions donc que tu les accompagnes en tant que représentante des héritiers. Sancred est retenu par une autre affaire. Il te rejoindra plus tard. Il a même précisé qu'il te demandait de lui en laisser un peu. C'est pour dire à quel point il te fait confiance. J'ai moi-même aussi toute confiance en toi. Puis-je te demander de te préparer et de te diriger vers le camp des eaux desséchées pour y retrouver l'officier des immortels? Il va sans dire que, même pris par surprise, les Amalja ne se laisseront pas faire aussi facilement. Ta présence sera sans doute d'un grand secours pour les immortels. Va, nous comptons sur toi. Et donc, nous allons. Donc j'ai le camp des eaux desséchées. Et pas très loin, j'ai aussi Alatali. Donc on va pouvoir faire les deux sur la même map. Non, je vais pas. Et donc, c'est juste derrière. C'est vous que les héritiers de la 7e aube envoient. Dépêchez-vous, l'opération est sur le point de commencer. Le but de cette manœuvre est de capturer les Amalja afin de leur faire avouer l'endroit où ils sont retenus. Attendez. Afin de leur faire avouer l'endroit où sont retenues les victimes des enlèvements. Pour cela, nous allons leur tendre un piège. Ungust nous servira d'appât. Nous frapperons lorsque les Amalja s'approcheront pour négocier avec comme convenu. Ils ne devraient se douter de rien. Pour que cette mission réussisse, nous devons impérativement agir avec doigté et discrétion. Aussi, nous avons sélectionné une poignée d'unités triées sur le volet.
Si vous ne vous sentez pas au niveau, vous pouvez rester ici et attendre que Lilith s'en occupe. Sérieux ? Mais vous me semblez décidé, c'est bien. Je vais donc vous demander de vous positionner à la cité invisible et d'attendre vos instructions. Cette mission, si elle réussit, devrait nous permettre de faire toute la lumière sur les agissements des suspects de ces maudits hommes lézards. C'est des hommes lézards ? Les hommes bêtes à la rigueur, mais lézards, j'aurais pas dit quoi. Ah, on a pas les mêmes lézards, hein, clairement. Clairement. Benji, il est que membre, ça m'étonne. Benji devrait être vétéran, voyons. Miz, il devrait être vétéran aussi. Et il est déjà superviseur. Ouais, je fais le tour de certaines choses. Allez. C'est les vétérans. Vétérans. Ils viennent tous vétérans. On a pas mal de membres. Il nous faut des vétérans. Oui, ça fait un moment aussi, je crois. J'essaye d'augmenter ce que je vois le plus souvent, mais honnêtement, comme en ce moment, je suis beaucoup moins sur FF, j'ai un peu du mal à avoir la visibilité. Ma perso space stream. C'est vrai que j'ai un perso principal, un reroll, un reroll space stream. M'explique, j'ai pas le temps de jouer avec tous les personnages. Franchement, si j'avais pu faire une nouvelle partie plus, je pense que je l'aurais fait seulement au moment où j'ai commencé, je ne pouvais pas. Il n'y avait pas encore. Ils m'ont sorti très peu de temps après. Alors, on va voir s'il est sur Discord. S'il est sur Discord, j'irai l'enquiquiner. Sur Discord, il n'y a que LB, je vais peut-être pas l'enquiquiner. Bon, tant pis. Alors, hop. Coucou Tara. Je te cherchais sur Discord. Bon, il est pas là, c'est pas grave. Faut que je rende la quête. Ah non, j'étais à tout à l'heure avec CNJ. Et après, j'ai vu que j'ai guildé Yuki, j'étais voir avec elle. D'accord, bon, pas de soucis, t'inquiète. Attends, mais genre... Mais du coup, ça nous fait deux Sora en live. deux Sora en guild. Ah oui, c'est vrai, en fait. Ça va être Chris, crise de nerfs. Bon, heureusement, Sora, oui. Heureusement, c'est le reroll avec lequel je joue pas en ce moment, donc ça. Ouais. T'imagines si j'avais été la même avec laquelle je fais mes streams. Mon Dieu. Crise, je crois. Compliqué. Non, bon. Je rends la quête, du coup. Ouais, vas-y, t'inquiète. Donc, qu'est-ce qui vous amène à Alatalis ? On ne voit pas beaucoup de gens passer par ici. Tenez un peu d'histoire. Dans une langue ancienne, Alatalis signifie la terre aux mille ombres. Est-ce qu'on s'en fout pas ? C'est un peu. Mille ombres, elle était. C'est un des premiers lieux où nos ancêtres se sont installés il y a très longtemps. Ça fait une bonne question pour un champion, tu vois. Wow. Qu'est-ce que veut dire Alatalis ? J'avoue que là, t'intéresse à voir. Enfin, vu son état, cet endroit n'a plus rien d'habitable. Tendez l'oreille pour voir, vous entendrez ce grondement sourd qui fait trembler le sol.
Non, ce n'est pas le vent qui fait ce bruit, mais une des énormes bêtes féroces qui se terre à l'intérieur. Avant le fléau, on élevait des monstres à Nathalie, sympa, pour l'entraînement des gladiateurs et pour les combats dans les colisées. Les plus dangereuses de ces créatures ont survécu à la catastrophe et elles se sont depuis appropriées les lieux. Nous autres, lames de cuivre, ne sommes pas de taille à nous mesurer à elles, parce qu'ils sont nuls en fait, donc gardons l'entrée pour empêcher des imprudents d'aller à une mort certaine. Ok. Quoique... Ah putain, c'est pas fini. Quoique... Que dites-vous? Vous vous appelez Kara? Oui, bien sûr que Nédric m'a parlé de vous. Pardonnez ma méprise. Dans ce cas, vous êtes libre de vous aventurer à l'intérieur d'Alatali. Si vous le désirez, faites bien attention à ne pas servir de repas aux monstres qui vivent là-bas. Bah, sans ton conseil, je pense que j'aurais pas survécu, monsieur. Merci. Bêche, bon. Leçon numéro 1, ne pas me faire manger par les mobs. Oui. C'est sûr que bon, si tu te fais manger, ben il n'y a plus personne pour te retrouver. Donc, c'est un peu triste. Il n'y a personne d'autre qui a dit qu'il voulait venir? Je crois pas. Après, je crois qu'ils sont tous groupés en train de faire des trucs. Et je crois que sinon, il y a Ailis et Senji, mais bon. S'ils n'ont pas réagi, je pense qu'ils sont peut-être occupés. Ouais, je pense aussi. Es-tu prêt? Oui! C'est parti! Non, je suis pas prêt! Si tu fais de la merde, ce sera immortalisé à jamais. Oh merde! Ça, j'ai fait. Je suis un nouveau joueur, c'est pas ma faute. J'ai fait Karn, j'ai oublié que l'e-level c'était genre 35. Enfin, le niveau de. C'était 35. Bon, j'avais le level pour le faire, mais j'avais pas le stuff. Ouais. Après tu soignes, ouais, bon. Ouais, mais va, il est un tank qui a le même problème que moi. Surtout que j'ai fait genre j'ai fait le donjon pour le débloquer et après derrière je l'ai fait en roulette parce que j'ai eu la bonne chance. J'avais quoi, 4 donjons en roulette. J'ai eu la chance de tomber dessus. Ah mais t'as fait une Viera, mais c'est bien ça. Ah, c'est vrai. Ouais, j'ai refait ma Viera. Comme ça, j'ai une Nicotte, une Viera et une Awa. Oh, t'as pas fait du Men? C'est ça. Ah, ben les humains, j'aime bien, mais... Bon, ils sont inexpressifs, mais... Ouais, c'est ça, je pense que... Bon, j'aime... voyez les molos. On va faire j'aime ça. J'aime bien, surtout les... les Viera, j'aime bien, mais j'ai toujours le même problème. Pas de cheveux, pas de... Franchement, ouais, j'espère vraiment que pour l'extension Endwalker, ils vont au moins faire quelque chose pour ça, parce que ça fait longtemps que je t'ai pas vu tanker. Je tanke jamais. Mais il sort d'où le bonbon ? Attends, on a qui avec nous ? Samouraï avec nous. Oh, on n'a pas beaucoup de sorts à ce niveau, j'oublie toujours ce petit détail. Petit détail pourtant très important. Oui. Déjà, ouais, les deux, c'est peut-être déjà des gens ensemble, ils sont exactement au même niveau, c'est drôle. Je sais que ça veut rien dire, mais moi j'ai envie de croire qu'ils ont tag ensemble, tu vois. Oui. Ils sont en train de muscler leur personnage ensemble. Techniquement, ils étaient les deux en cinématique, c'est pas possible. Bah, ils ont peut-être pas passé la cinématique, hein. C'est possible aussi. Bon, ça va, je te malmène pas trop. Pour le moment. Pour le moment. J'ai pris le temps de répondre sur mon chat. Bon, si tu m'entends parler à quelqu'un d'autre, c'est normal. D'accord, c'est que t'as des voix dans ta tête. C'est ça. C'est si on parle en chat, normalement, j'écris pas, je parle aux gens. Sinon, t'es dans la merde si tu commences à écrire. Ah, j'ai commencé à écrire et j'ai déjà failli rater le coche. Je te vois bien écrire dans le chat du jeu, genre, mais non. Non, ça marche pas. Trop de chat. Non, ça va, je suis pas sur mes notes pour l'homme. Oui.
Je tiens encore, grâce aux futures vacances que je vais avoir la semaine prochaine, sachant que... Oh. Il y a vraiment que cette perspective-là qui me fait tenir, je crois. Vacances une semaine? Ouais, mais au moins je vais pas me poser. Parce que là, en gros, on a dû mettre des trucs en place, mais quand je dis on, j'ai fait les trois quarts, et encore, quand je dis trois quarts, c'est que je suis gentille avec les autres. Tout gérer toute seule, et c'est une merde, parce que en gros, tu sais que tu fais ça, mais que tout le monde sera pas content, tu vois. Et que en plus, y en a, ils feront de la merde. Donc du coup, je dis trop bien. Est-ce que ça va changer un jour, ça, dans ton boulot? Je ne sais pas. Mais... Non, mais bon, après, ça ira. Hein. Franchement, c'est la première fois que je mets des choses comme ça en place, technique et tout. Où c'est limite même plus de mon ressort de service courrier, c'est plus du ressort des... Genre des services généraux, tu vois. Ça me donne en gros de l'expérience dans un métier que je fais pas. Et c'est plutôt intéressant. Ça vient intéressant, mais après faut pas non plus qu'ils te demandent de faire trop de choses. Je fais tout ce qui est lié entre enfin au courrier, mais qui est du ressort des services généraux, donc. Ouais. Oui, on a quoi. Je vois. Après, la cliente, elle se repose sur moi. J'ai mes chefs aussi qui se reposent sur moi. Mais du coup, on va m'offrir 3 jours de vacances supplémentaires, on va dire. Au frais de mon entreprise. C'est sympa. Ça veut dire qu'on me fait confiance. Très simple. Là, j'ai fait du bon boulot. Parce que je leur ai dit, je prends des congés, mais je prends sans solde parce que j'ai plus de vacances. Et on m'a dit, on va essayer de faire un geste, et ça fait genre un mois et demi que j'attends la réponse. Et du coup, le geste, c'est ça. Ça, c'était pas prévu. Au secours ! Moi, j'ai eu un coffre. Aidez-moi, au secours ! Moi, j'ai eu un coffre. Non, mais t'inquiète, je... Oh, t'as eu des mobs. Moi, t'as vu, j'ai rien eu. La foudre. T'as eu un coffre. Moi, je me fais électrocuter la tronche. Ouais, c'est pas très grave. Ce n'est pas mon kiff préféré, en plus. Tant que tu mets pas les pieds dans l'océan. Oui, c'est pas faux. Moi, j'adore, c'est... Une fois, j'ai fait genre Ramu, tu vois, avec des gens. Et le mec, il expliquait un peu la strat pour les Français et les anglophones, tu vois. Wow. Et donc il est en train de dire, faites attention du coup à pas mettre les pieds dans l'eau, sinon vous allez finir comme Claude François. et arrivé à ce passage-là à traduire en anglais, il est là, j'ai pas d'exemple qui va parler à des anglophones. C'est compliqué. Claude François, bon, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui connaisse en dehors de la France. Je pense pas. Je pense que c'est pas connu. Je vais pas aller trop loin ici parce qu'il y a les trucs activés. Je sais jamais. Voilà. Comment pour ça. Voici que c'est un menu. En tout cas, nous on a récupéré la bonne température. On est passé à 18-19 degrés là, ça commence à faire bon. Ça va encore. Il fait bon au soleil. À l'ombre, ouais. il y a encore un peu de vent quand même. Ah. Bah. J'ai tenté tout à l'heure au boulot, on va sortir sur un banc à l'ombre. Parce que les bancs au soleil étaient squattés par les fumeurs et j'ai bah yes. Oh merde. Oui, on va traîner dans la boue. Ah bah dis donc T'as du succès avec les mobs ou... Ouais. Et Yuki, ça va en fait? Ouais, elle va bien. Avec son petit enfant. Oh, je savais pas. Eh oui, son petit enfant, donc elle a...
bip sur le jeu ou quoi que ce soit, forcément quand t'accouches, hein, ça te prend. Alors attends, attends, parce que. Je t'explique ce qui s'est passé. Moi j'ai eu un freeze, t'as arrêté de parler d'un coup, tu t'es stoppé net. Ah. Et d'un coup je t'ai vu t'épée sur les mobs et recommencer à parler. J'ai raté un épisode. Ah, flûte. Non, je disais en gros, ouais, là. Elle a plus trop le temps de jouer, quoi. Voilà. Bah là elle reprend un petit peu. Mais voilà, quoi, elle s'occupe quand même de l'enfant. Et ça fait longtemps que. Ça fait quelques mois. Quelques mois. Ah, lui va être chiant. Je crois qu'on va le tirer là. C'est très chiant ça. Oh oui! Je me suis tenu avant qu'il revienne. On va prendre le DPS. Il a bugué. J'avais plus envie. Oh. Je vais dire, ma vie c'est un enfer. Ah. Oh merde, attends, je peux pas aller en foutre moi. Ah, chao. Alors, ça va bien, et toi? Désolée, j'ai mis un peu de temps à répondre, parce que du coup, entre le jeu, parler sur Discord et le chat, j'arrive pas du tout à tout faire. Il était en train de dire que tu draguais les mobs, hein, pour avoir autant de succès. Ah, je drague les mobs? Oula. Apparemment. Bah, je les drague sans vouloir, c'est un talent. Oh là, attends, trop d'activité sur le chat. Amy, tu m'en veux pas? Bon, je voulais. Genre ton chat, tu l'as sur un deuxième écran, c'est ça? Sur mon téléphone, ouais. Ah, d'accord. Alors, Charo, tu as fini le chapitre 5 de la fanfiction, j'ai peur. Chapitre 6 sera le dernier, d'accord. Bah écoute, tu m'envoies ça quand t'as fini. Peut-être que je ferai un live lecture de fanfiction. Ça peut être fun. Riffen, salut à toi. Bon, je vous les coffre. De transmo comme à la WoW. Alors, je crois que j'aurai besoin de toi, Amy, pour cette question-là. Tu connais un peu WoW? Oui. Ok. Il demande, la personne me demande si, parce que je ne connais pas WoW, donc du coup, il demande s'il est possible de transmo comme à WoW et s'il y a un système de collection. Système de collection, non. Non, non, non. Et où trouver de belles tenues? Belles tenues, bah, en gros, il faut. Tu en débloques, tu peux en craft, et il y en a un peu en boutique du jeu, mais du coup, il faut dépenser de la vraie thune. Et là, ça peut poser problème. Il y a énormément de tenues après. Donc, un compte donc c'est un système de mirage. Ouais, après, c'est dit comme ça, c'est compliqué. Un compte RP, c'est juste un compte qui fait du roleplay, c'est tout. D'accord, c'est, ouais. Pas... Allez, c'est ouais. Pas compliqué. C'est pas plus compliqué que ça. Ah, c'est pas moi. Ça va, j'ai ouvert l'œil, je l'ai vu aller vers là-bas, je fais oula. Je vais mourir. C'est vrai que sur WoW, ouais, tu peux transmo. En fait, sur WoW, dès que tu découvres un skin. Tu vas à un PNJ et tous les skins que tu as découvert au moins une fois, tu peux les transmo sur toi. C'est assez pratique. D'accord. Mais ce serait ah, comme ça sur FF, ce serait vraiment fantastique. Non, en fait, sur FF, tu vas avoir plus un système de. Tu trouves une tenue sympa et encore, ce sera pas avant les 50 premiers levels. On va dire ça comme ça. Et tu vas pouvoir le mettre dans une coiffe au mirage. Donc, c'est une espèce de truc qui va te permettre de faire tes skins, ta tenue que tu aimes bien. Et que ça va l'appliquer sur la tenue déjà existante. Donc voilà. Charo qui dit Tara ne m'apprécie plus, elle n'aime plus mes blagues. Mais si, elle apprécie toutes les blagues, Tara. Faut pas croire. Ouais, c'est parti. D'accord. Donc en fait, il est en train de faire une fanfiction. Mais celle dont il parle, c'est pas celle qu'il a fait sur mes lives. Ah. Fanfiction sur mes lives, ça fait bizarre. Bah j'avoue que je sais pas ce que ça donnerait, mais bon. C'est sorti nulle part. Bah écoute, on va voir, on découvrira ça le jour où ça sera fini. J'espère que ce sera pas moi qui m'accouple avec des monstres, parce que bon, c'est quand même... On va savoir. Je sais pas, ce sera la surprise.
Je pense que ce sera plus une fac de fiction sur, sur Dark et moi. Ah. Le duo les mais ton épopée. Ah oui, mais ton épopée est niveau. Ah oui, parce que t'es niveau 40 plus, mais. Ah oui, mon épopée elle est niveau 19, hein, cherche pas. Tu vas être niveau 60 avant d'être passé mage blanc. Ah non, mais là j'ai le boost XP, je fais très très peu de gains de niveau. J'en ai fait, je crois, 2, 3 jusque là, avec ce perso. Mais je gagne. Enfin, je fais les 4 bleus et c'est tout quoi. Enfin, vraiment, je fais pas grand chose. Ouais, ouais, ouais. Mais avec le boost d'XP, c'est infâme. Tu m'étonnes. Donc je chope des quêtes bleues niveau 40 alors qu'au final j'ai que le staff. Ma grosse oui, erreur oui. C'est d'avoir tenté le donjon comment ça s'appelle Karn. Pardon. Sans le staff quoi. Ouais, tu peux souffrir là-dessus. Bon, après bah, le pire c'est quand même les temps qu'on pas de top, stuff. Hein. L'avantage c'est que tu prends rien sur ce boss. Ouais. À tout charo, désolé de. Ouais, en gros, il dit la fanfiction qu'il va faire sur mes lives, c'est Tara entra dans la mine et mourra. Voilà. Waouh. D'accord. Coffre. Oh, ah oui, c'est vrai qu'il y a des objets roses. J'ai oublié que ça existait. Rose. Ouais. Mais quelle qualité! Bon, bah du coup, Riffen, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Encore désolé de pas avoir. Je vois pas pourquoi je me jetterais sur le zombie quand même. Normalement, un minimum d'instinct de survie. Apparemment, il y aura des zombies aussi. Ah, peut-être que c'est des zombies qui te font de l'œil et tu te fais piéger, hein. C'est possible. C'est jamais. Bon bah voilà. J'ai fini ma mission. Et bah tu t'es pas fait manger finalement, tout va bien. Non bah tout FF c'est l'un des seuls jeux sur lesquels je me fais pas manger. Ah bon, d'accord. Ma survie est égale à mon survie. J'ai bientôt Ifrit aussi. Ah oh, ça c'est intéressant pour le... C'est un combat intéressant pour le stream. Ouais, alors, 4 joueurs. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de jeu pour le début. Avec 3 plombes de cinématique. Oh oui, c'est vrai. À chaque fois qu'il y a des gens qui ont une cinématique, genre, tu dois attendre 5 minutes avant de commencer le combat. C'est ça. Bah, c'est ce que je vais faire à mon groupe juste après. Mais là, je vais devoir quitter le groupe parce que je vais avoir la quête solo d'abord. Ouais, t'inquiète, de toute façon, je vais peut-être sûrement pas tarder à manger. Il faut manger dans la vie. Hein, c'est important. Manger 5 fruits et légumes par jour. Oui. L'alcool lui gravement à la 5 santé. 5 trucs par jour. Après 5 fruits et légumes, c'est pas. 5 trucs. En gros, pour Charo, ma survie c'est ma mort. Et il me jette sur les zombies pour survivre. Je crois que c'est ça. Oula. D'accord. Mon cerveau n'a pas compris ce qui s'est passé, mais bon, c'est pas grave. Ben, on a des... Enfin, j'ai des followers très, très reconnaissants. merci petit bobo pour ton follow. Désolé, ça ne s'est pas affiché, je crois. Je l'ai pas vu. Je l'ai entendu, ceci dit. C'était il y a 8 minutes. J'étais en donjon et déjà en PLS pour réussir à te suivre. <Du coup. rire> Merci pour ton follow, c'est sympa. Tu vois, je pars pas toute seule. Ouais. Je sais pas. Presque pas. C'est ça qui est bizarre quand t'es sur Discord, si t'as l'impression que tu pars toute seule. Bah, là où je suis là, mais j'imagine que quand t'es vraiment toute seule, du coup tu parles vraiment toute seule. Je parle vraiment toute seule tout le temps en fait. Enfin, ça change pas d'habitude, hein. Tu sais, il y a des jours. Du jour, je suis devant mon écran, je suis en train de parler et je fais. Mais attends, là je parle à personne. Vaut mieux être en live, tu vois, au moins t'as l'impression d'être normal. Oui.
Salut Dark, comment tu vas? Ça fait longtemps? Alors c'est pas mon Dark, c'est un autre Dark. Oui, je me suis dit oui. Ça fait longtemps sinon, c'est que ça fait pas. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu à la maison, qu'est-ce qui se passe? Ah, enfin. Alors, du coup on va lancer la quête. Bah table, voilà. Voilà, vous avez entendu le cri de guerre. C'est irrévocable. T'inquiète, je crois qu'on a tous le même cache chez nous. Et bien sur ce, Eh bien, bon bon appétit. appétit, tu n'as pas mangé, et puis. Et puis, de toute façon, je vais passer sur Discord tout à l'heure à 20h30, je pense. Pas moi, Vers salut. 20h30. À toute bonne appétit. Bisous. 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 Merci. Pas mal de taf, hein, tu m'étonnes. Moi aussi en ce moment. Alors lapin. Il est en position. Quand les Amalja s'approcheront, nous attaquerons d'un coup rapidement. Nous devons absolument leur faire avouer le lieu où ils retiennent les prisonniers. Je vous ferai signe de passer à l'action. Salut d'Athènes! Toi aussi, t'as pas mal de taf, il me semble. Compris, chef. Je pense que toi, c'est un autre niveau encore. Donc, Amalja, ils appellent ça des hommes lézards. Ah, si, peut-être. Ouais, de loin. De loin, ça ressemble à des lézards. À des gros iguanes, quoi. Quoi? Attendez, il se passe quelque chose. Ouais. Il se passe quelque chose. C'est trop drôle. Je ferai pas le rire. C'est ça. Ah, 60 heures quand même. Nathan, t'en as combien d'heures par semaine, dis-moi? Moi je me plains, mais je suis qu'à 35 heures. Hein. Donc en vrai, ça va. C'est tranquille pour moi. Mais c'est juste que c'est assez actif pendant 7 heures par jour. Voilà. 60 heures, c'est quand même énorme. Je sais pas comment tu tiens. Mais c'est normal que tu fasses autant d'heures? C'est légal au moins. Bon, rire diabolique, moi. Vous avez comme qui dirait dévoilé votre plan à la mauvaise personne. Oups, c'est vous qui allez vous faire capturer. Vous pigez maintenant comment on faisait pour échapper à la surveillance des immortels maintenant? Salut Shiroe! Ouais. Ouais, alors je commence. Je suis à la quête niveau e-level 19. Ça doit être genre mon 7ème live dessus. Ça prend du temps. J'ai toujours pas le chocobo. Je suis au bout du rouleau. 75 heures. Oh, je sais pas comment tu fais pour tenir avec 75 heures par semaine. 60 heures aussi, déjà, ça me paraît insurmontable. Faut dire qu'on tenait nos infos du grand Roban en personne. Un jeu d'enfant. Ah oui, t'es auto-entrepreneur, c'est ça qui fait que... Ouais, bah courage à toi. Avec un peu de chance, ton business s'envolera et tu pourras être ton propre chef. De sacrés numéros qui passent pour m'expliquer comment jouer? Non, à part toi, j'ai personne. Tout va bien. Non, j'ai des gens qui viennent demander des infos. Non, c'est... Non, t'es le seul à me proposer de m'aider à... de m'expliquer comment on joue match blanc, c'est tout. C'était pas le côté relou dont je parlais. Ah, bien sûr. Ah. Bah vas-y, fais-nous une blague, on jugera. On te jugera sur cette blague.
Quelle bande d'abrutis! Ils sont tombés droit dans le panneau. Allez, on se tire d'ici. Je te suis. Les Amalja vont s'occuper des autres. Bah yes. Non, non, c'est bon, t'inquiète. Non, en général, bah, j'ai les membres de la CL qui viennent voir de temps en temps. J'ai ceux qui passent régulièrement sur le stream, qui s'intéressent un peu à ce que je fais, qui viennent surtout me dire ouais, salut, ça va. Mais pour m'expliquer comment jouer, j'ai pas encore eu sur FF, du moins. J'ai plus sur Monster Hunter ou autre. C'est ça. Mais toi, je te mets plus dans la case ami que ami. C'est quoi que t'as mis? Ami des membres de la CL. Ne meurs pas, petit PNJ. Tu vas survivre. Survie, petit PNJ. Ah bah. Faut bien débuter quelque part, hein. Dis-toi que je suis genre niveau 40, ma quête d'épopée est niveau 19. Bah oui, je pense que même les membres de la CL, c'est des amis. Tu vois, on est à ce stade-là, donc tu fais partie de la famille. Toi, t'aurais pu rejoindre la CL il y a belle lurette, n'est-ce pas? Ah ouais? Bah... Je me sens flatté. Bon, je vais me concentrer sur le boss, je pense. Sinon, ça va durer 3 heures. Salut, Terre. Merci pour tous ces conseils. Je pense que sans toi, je n'aurais pas su comment avancer. C'est ça. Tu l'attendais pas, il est arrivé comme ça. Attends, mais j'ai plus de mana à faire, en fait, avec tout ça, je regarde pas ce que je fais. Tu vois, mon problème, c'est que je sais pas faire deux choses en même temps. Lire un chat et jouer, je sais pas comment on fait. Ah, c'est beau. C'était une très belle entrée. Hein. Restez bien tranquille, ça va pas faire mal. Ouais, c'est pas cool. Attention. Et puis, comment être piégé par un sort de dodo? C'est un peu triste quand même. On l'emmène. Vous suivez et au pas de course. Ouais, faut réussir à tout faire. Bah surtout, en donjon, des fois, c'est pas évident. Sale traître. Traître à ta patrie. Je fourche en plus quand je lis, c'est terrible. Je sais plus lire. Rire. Il met des sous-titres, Shiroi. Tu vas nous mettre des didascalies, comme au théâtre. Ces ordures comptent nous offrir en sacrifice à Ifrit. Je ne veux pas crever comme ça. Si je dois y rester, j'aimerais au moins mourir l'arme à la main. Il y a un truc que je comprends pas. C'est que ils sont tous attachés. Et moi, je me balade, je peux même me barrer. Bon, reste de plaisanterie. C'est l'heure de Ifrit.
On va peut-être enlever le donjon parce que je sens que c'est le donjon qui va censer. Ce serait dommage. L'avantage d'être heal, ça instant. Ça sent son instant, c'est assez sympa. Ouais, mais là, ça va. Sur les trucs BL, j'ai pas eu de soucis pour moi. Alors par contre, ceux qui sont avec moi en cinématique, enfin qui sont dans mon groupe, ils vont pleurer parce que je suis en cinématique et je vais lire. Ô Seigneur, notre prière entend. Ô Seigneur, notre souhait exauce. Ô Seigneur, ta clémence accorde à ton peuple qui t'implore. Ils vont pleurer. Ô Seigneur du brasier infernal, des premières heures de la création, ô Dieu qui, la flamme de la guerre à nos pères a donné. Ouh, y arrive. C'est vrai, le Red 24, un peu moins. Ô Ifrit, Seigneur des flammes infernales, à l'appel de tes serviteurs, réponds. Padam. Ouh, qu'il est mignon. Cousi. Est-ce que ça donne pas envie de lui faire des câlins? Ah, je suis pas sûre. Ô notre maître, des païens, ces créatures serviles sont... D'accord, ok, il parle comme Yoda. D'autres dieux, elles vénèrent. Leur âme impie et leur cœur veulent par le feu purifie. Par ta flamme vengeresse asservilet. Et de nouveaux fidèles fait deux. Non, bon sang! La mort, ces pitoyables peaux tendres méritent aussi. Non, aïe aïe aïe. Ok. Attendez, c'est pas ce qu'on avait convenu. Dévoiler notre plan, vous n'auriez pas dû. Périr par le feu, vous allez devoir. Non, je vous en supplie, épargnez-moi par pitié! Stupide humain, vos âmes brûleront éternellement. Je peux pas faire la voix d'Ifrit, hein. Je pense que voilà. Rejoignez nos disciples, priez-nous, implorez-nous. Que vos prières et vos cris d'effroi alimentent notre flamme destructrice. Devant le seigneur des flammes Ifrit, inclinez-vous. C'est ça, le fight va être plus rapide que la cinématique. Et plus rapide que la cinématique d'après encore aussi. Parce que la cinématique de fin est assez longue aussi. Hein. Ô Ifrit, tu es notre dieu. Ô Ifrit, entends notre prière. Bon, c'est bon, on a compris que c'était Ifrit quand même, au bout d'un moment. Ô Ifrit, dieu suprême et tout-puissant. Pourquoi converti n'es-tu pas? Pourquoi une subjuguée, toi aussi, ne deviens-tu pas? Clytarium. Je veux plus le faire celui-là. Sous le pouvoir de notre dieu, ta volonté devrait plier. À moins que sous la protection d'un autre dieu serais-tu déjà. À une déité impie, ton âme aurais-tu vendu. Ça peut expliquer des choses. Ouais, mais attention au spoil. Si vous avez reçu la bénédiction d'un autre dieu, alors... La nôtre ne saurait vous toucher. Pourtant, nous ne sentons l'influence d'aucun autre primordial sur votre âme. Vous avez reçu la grâce d'un dieu sans être capable de l'appeler à votre aide. Le messager divin nous avait mis en garde contre les sanctifiés sans dieu. Nous devons donc vous éliminer par le feu. Adieu, misérable humain. Ah, cette histoire-là! Ah, c'est quand même triste, ça, pour une roulette mentor, non? On va leur dire bonjour! Le cri de joie quand tu quittes la cinématique! Je pense que s'ils avaient pu, ils auraient commencé sans moi. Clairement. Surtout qu'ils vont me voir niveau 44, ils vont se dire mais elle l'a jamais fait en fait, ça se passe comment? Hein?
Salut Jaja. T'as vu, t'arrives à pic. Tu m'étonnes. Alors, taper les coups, c'est très important. Voilà. Enfoncer le clou, c'est la vie. Voilà. Ah, peut-être falloir que je soigne. Ah, je suis au milieu, je vais mourir, non? Non, ça va. On tente des choses, hein. Clairement entendre des choses. Là par contre faut pas que je reste dedans. Ah putain. Flemme d'esquiver quoi. Ah ouais quand même. Bah là je suis 40, j'ai pas encore le cristal, mais j'ai pas encore les quêtes de classe pour avoir le cristal. C'est surtout ça. Attends, tu parles de quoi? Tu parles de l'arme relique ou... Ah non, c'est le cristal de ma joie, donc c'est les 4 de classe. Je me plantais pas. J'ai eu peur sur le coup. Je me suis dit, attends, est-ce qu'on parle bien la même chose? Un cristal, waouh. Tu m'étonnes. Là déjà je suis niveau 40 et je fais vraiment que les quêtes bleues. J'ai dû faire peut-être 2-3 roulettes de gain de niveau histoire de jouer un peu avec, avec la CL, tu vois, et de montrer ce que c'était. Mais je suis niveau 40. Ma quête de classe elle est finie. Par contre ma quête d'épopée elle est niveau 19 quoi. Tout va bien. Enfin, 20 maintenant, du coup. Je suis désolée de n'arriver que maintenant. Ces maudits Amalja m'ont donné du fil à retordre. Pardon. Zut. J'essaye de tenter mes imitations d'Amalja. Ça ne marche pas très bien. Je ne sais pas assez bien grogner. Visiblement, les prisonniers ont été évacués sans mal. Je reconnais bien là l'efficacité des ronces sanglantes. Cet escadron est sous le commandement direct du général. Quant à ces deux-là, on aura quelques questions à leur poser. Je suis désolée, je ne pensais pas que votre première opération serait aussi difficile. Remettons cette conversation à plus tard, il est temps de nous éclipser. Par ici! Hey. Ben, je vais tenter, je vais faire qu'une classe, et on va voir à la fin de Realm Rebound à quel level je suis. Ah, c'est ça le primordial du feu. Il est plus faible que nos données ne l'indiquaient. Les Uldiens ont réussi à le mater facilement. Bah, comment veux-tu que des informations de la 7e Légion qui remontent à 5 ans soient encore fiables? Et puis, au pays, on n'acceptera jamais de nous envoyer de l'aide. Non, on ne peut se fier qu'à nos propres observations. Je te le dis. Tu es toujours aussi sévère, Livia. Laisse-leur donc une chance. Retirons-nous à présent. Nos vieux appareils de mesure Magitech ont montré leurs limites. L'appareil n'a servi à rien à ce niveau. Enfin, nous avons accompli notre objectif, c'est déjà ça.
Que fait-on de l'aventurière? Elle pourrait devenir une menace avec de telles capacités. Elle m'intrigue, mais on n'a pas le temps de s'en préoccuper pour le moment. On n'a rien à craindre d'elle dans l'immédiat, de toute façon. Plutôt que de t'inquiéter de ce genre de parasite, tu ferais mieux de te soucier de terminer ton travail, Nero. Nous sommes là pour accomplir la volonté de Gaius, je te le rappelle. Ça marche, déjà tout de suite. Si jamais tu l'embines et que tu le déçois, je me ferai un plaisir de te tuer de mes propres mains. Ah, est plutôt sympathique. Que de violence dans une si jolie bouche. Décidément, les femmes amoureuses sont impitoyables. Ah, GG Jaja. J'avais pas vu ton message comme quoi ton âge m'a été 80. Et en plus, t'as AFK, donc tu vas pas m'entendre te dire GG. Est-ce vraiment surprenant? Je me retrouve toute seule dans le donjon suite à cette longue cinématique. Ok. Je veux la quête du choco. Ah non. Je craque. Let's go. Nous avons réussi à nous enfuir à temps, on dirait. Le primordial n'est plus. Voilà qui devrait porter un coup sévère aux Amalja. Je suis désolée, j'étais au courant pour Ifrit, mais je n'ai pas pu vous venir en aide. Même pour les prisonniers... Nous avons sauvé leur vie, mais j'ignore ce qu'il adviendra d'eux maintenant qu'ils sont subjugués. Pardon, ce n'est pas le moment de parler de ça. Je dois d'abord vous remercier d'avoir remporté le combat. Vaincre un primordial n'est pas à la portée de n'importe quel aventurier après tout. Ce pouvoir est le vôtre. Il est sans doute de taille à changer le monde un jour. Vous êtes décidément un membre exceptionnel de notre groupe. Minfilia doit absolument savoir... savoir de vos exploits. Je vais me charger de lui faire un rapport, même si je n'ai pas vraiment participé à l'opération. Vous devriez vous reposer un peu et nous rejoindre au refuge des sables. Nous aurons sans doute des choses à discuter. Ah, Ether, comme... En barde. Joli. Tu maîtrises bien le bard, du coup, je suppose. J'ai pas beaucoup d'amis sur ce perso. Je voulais traquer chez Roé, mais c'est pas possible. Attends, quoique... Ah, Shiroé ne doit pas être en ligne. Non, j'ai pas besoin d'aide. C'était juste pour montrer ton personnage. Voilà. D'accord, ça marche. Pas de soucis, t'inquiète. C'était juste pour rire. Vu que Ether m'a retrouvé, je me suis dit, vas-y, on va stalker Shiroé. Ça sent le talent. Rush Arrow. Je suis pas sûre. Non, spoiler alert, dans la fanfiction, je meurs. Vas-y, c'est quoi le titre? Balance. Ah, je meurs pas, c'est vrai. C'est gentil, Ether, comme musique, c'est sympa. Ça marche. Bah écoute, tu me dis quand tu veux faire ça. Tara la malchanceuse. Ça m'étonne que ça soit pas Tara la padouée.
Après, tu peux me faire genre une chanson comme un barde, un peu comme la chanson pour la chanson du barde sur Geralt de Rive. Toss a coin to your witcher. C'est pas de fun. C'est ça. Eh bien, Ether, tu te surpasses. Elle est trop jolie, cette chanson. Le Schtroumpf dormeur. Je dors pas tant que ça, voyons. Juste 8 heures par nuit. Ça va. Bon, 10 heures les week-ends. Bah, du coup, on va à la suite de la quête. Merci beaucoup, Ether, pour ce petit moment de musique. Alors, du coup, j'ai rien de nouveau sur la map à prendre, on est d'accord. Et on va se péter. Merci, Ether, d'avoir fait le déplacement. Du coup, c'était sympa. De te rencontrer en chair et en poil puisque tu es micote. On va dire ça comme ça. Oh, en eau, ça aurait marché aussi. Il y a une quête qui est sympa. Attendez. Est-ce que je bille? Allez, par là la quête. J'ai encore une quête bleue. Ah, mais c'est le même. Évidemment que c'est le même. Ouais, Chewbacca est mignon. On ne peut pas faire un pas ici sans entendre parler de vous, Kara. On pourrait presque croire que vous êtes une espèce d'héroïne. Une espèce d'héroïne. On dirait un peu une insulte, tu sais. Oui, c'est vrai que les Mikons ne sont pas très polis. Valdorum. Oh non! C'est celui-là! Blague à part, je vois bien que vous rêvez de trouver un nouveau champ de bataille pour affûter vos techniques. Par chance, je connais l'endroit parfait, le Valdorum. Allez vers l'ouest, depuis les terres centrales du Quertas, et trouvez Wilhelmus. Dites-lui que c'est Nedric qui vous envoie. Il connaît tout le monde, lui, c'est pas possible. Alors par contre, j'ai vu tout à l'heure que l'alerte, elle n'était pas passée. Je voudrais voir mes paramètres, vite fait. Parce que c'est un petit peu en kikinant les alertes qui s'affichent pas. Hein. Peut-être sans bord. Ouais, pourtant c'est pénétré, je sais pas. Je ne sais pas. Team Rodgar. Team Lapine. Eh ouais. Honnêtement, j'aime bien les trois races pour créer des personnages féminins que j'aime bien, c'est Viera, Aura et Mikote, évidemment, Mikote. J'aime bien les humaines aussi, mais je sais pas. J'aime pas trop leurs yeux. Voilà, les yeux, je trouve qu'ils sont moins travaillés. Ah, quand on parle du loup, vous voilà Kara. Sancred est rentré tout à l'heure. Il s'entretient actuellement avec Minfilia. Vous devriez les rejoindre. Je suis sûre que Minfilia a hâte de vous voir de retour. Et ben c'est parti pour une cinématique. Je dois encore lire. Pardon. Je suis vraiment désolée, Minfilia. Kara a pris tous les risques alors que j'aurais dû être là pour l'épauler. Enfin, je n'aurais jamais... que cette mission nous amènerait à affronter le primordial hybride en personne.
À toute Jaja, merci d'être passée, c'est très gentil à toi. Si Kara n'avait pas été là, je ne sais pas comment on s'en serait sorti. Moi qui fanfaronnais en pensant que ce serait facile, je regrette d'avoir fait le malin. Je dois une fière chandelle à Kara, j'espère pouvoir me racheter auprès d'elle. Tancred, ne sois pas si dur envers toi-même. Ah, Kara. Eminem, Eminouille. Ok. Donc je lis la blague en entier cette fois-ci. Tu connais le frère d'Eminem? Quand on parle d'un rappeur. C'est Eminouille. Et Ether qui rajoute, qui dit j'ai beau pour lui. Bah yes. Ah voilà, je viens justement de raconter à Milfilia ce qui s'est passé. Il vaut mieux être une vraie croyante qu'une fausse sceptique. C'est pas mal cela. Tancred m'a tout raconté. Les Amalja cherchaient donc bel et bien à invoquer leur primordial. Ces deux affaires étaient effectivement liées. Mais elles ne concernent pas Kul'Dah. Limsa, Lomitsa et Gridania ont connu des incidents similaires. Oui, la menace des primordiaux pèse sur nos trois cités. Comme vous l'avez compris, ces deux incidents étaient liés à Ifrit. Tout d'abord, les vols des cristaux transportés par les caravanes avaient un but précis. Mieux vaut avoir un grain qu'être expresso. Ok. Et barbecue n'est pas synonyme de poil aux fesses. Ah, ok. Comme vous l'avez compris, ces deux incidents. Ah, je l'ai déjà lu. Donc, ils ont volé les cristaux dans un but bien précis. Les primordiaux ont besoin d'énergie vitale pour apparaître dans cette dimension. Et cette énergie, c'est l'éther. Plus ils sont puissants, et plus ils ont besoin d'une grande quantité d'énergie éthérée. Un primordial tel qu'Ifrit ne peut subsister avec seulement l'éther qui se propage dans l'air à l'état naturel. Voilà pourquoi ils ont besoin de cristaux. Bon appétit, Chiré! Bonne soirée à toi. Merci d'être passé. Non, non, Ether, si tu fais référence à ce que j'ai dit, c'est par rapport à ta blague sur j'ai beaucoup ri. Voilà. Un primordial tel qu'Ifrit. Ah non, Ether, c'était par rapport à la phrase du coup. Oh, je vais y arriver. Je me demande si je connais le verbe frauder. Oui? Je fraude, tu fraudes, nous fraudons. Ah, entre parenthèses, Frodo Saké. Ok. Un primordial tel qu'Ifrit ne peut subsister avec l'éther qui se propage dans l'air à l'état naturel. Voilà pourquoi il a besoin de cristaux. Je l'avais déjà lu, mais je le relis, c'est pas grave. Ces minéraux sont une matérialisation de l'énergie éthérée et une source d'énergie concentrée pour les primordiaux. Non, c'est la quête principale, Infernal. Bienvenue sur le stream. Qu'est-ce qu'un combat entre une carotte et un petit pois? Un bon duel. Donc, tu comprends pourquoi les incidents qui concernent les cristaux attirent tout particulièrement notre attention. Ils sont souvent liés aux primordiaux. Un infernal sauvage. Quant aux enlèvements des pauvres villageois des hameaux les plus dans le besoin, la raison est plus sinistre. À toute, Charo. Mais j'ai ri au début. Ah, Charo, attends. Il s'est passé comment ton entretien? Donc, deux femmes enceintes qui se battent, c'est un combat de méca. D'accord, ça marche. À demain, Charo. Donc, en théorie, les primordiaux sont des êtres immatériels et invisibles. Ils ne sont pas censés exister dans notre monde, du moins pas en temps normal. Les primordiaux sont donc à l'origine des entités vénérées comme les dieux d'un autre monde.
par les tribus j'oubliais, c'était une virgule. Par les tribus barbares qui peuplent leur enfin qui peuplent les territoires des provinces extérieures. Je ne sais plus lire. À force de lire les quêtes, je n'en peux plus. Mais lorsque l'ordre qui réagit d'un... qui franchement, ça devient une cata. Ah, désolé, je crois que j'ai pas lu autant de textes depuis le début que j'ai commencé le jeu avec ce perso. Mais lorsque l'ordre qui régit notre univers est troublé, alors les hommes bêtes sont capables d'invoquer leurs dieux et de les faire venir dans notre monde. Les primordiaux sont une manifestation terrestre des souhaits et prières de ceux qui les adorent. Plus ceux-ci sont forts, plus les primordiaux sont puissants. Ils ont donc besoin d'un grand nombre de disciples. Et pour devenir encore plus redoutables, les adorateurs des primordiaux s'arrogent de nouveaux fidèles, qui n'hésitent pas à convertir de force. Ils deviennent alors ce qu'on appelle des subjugués. C'est le pouvoir de l'écho qui t'a évité de subir le même sort. Ce pouvoir nous empêche d'être soumis à la volonté des primordiaux et devenir des subjugués. J'ignore exactement pourquoi, mais c'est comme si une force douce et mystérieuse nous protégeait. Voilà pourquoi les personnes qui possèdent ce pouvoir, comme toi et moi, sont un atout indispensable dans la lutte contre les primordiaux. Néanmoins, toute cette histoire avec Ifrit semblait trop bien imaginée pour être l'œuvre des Amalja seuls. Il y a seulement quelque chose ou quelqu'un d'autre derrière tout ça, et cela ne me dit rien qui vaille. Le plus important, c'est que vous soyez revenus sains et saufs, je suis vraiment soulagée. Rassure-toi, les immortels mèneront l'enquête de manière approfondie sur les tenants et aboutissants de l'incident. Nous finirons bien par savoir qui était derrière tout ça. Vous avez fait du beau travail tous les deux, vous avez bien mérité un peu de repos. Quand je pense que tu es venu à bout d'Ifrit, tu seras bientôt célèbre dans tout Eorzea, c'est certain. Minfilia a soigneusement évité de vous le dire, mais il y a une triste conséquence à cette opération. Les malheureux qui ont été subjugués sont condamnés. Les effets du lavage de cerveau qu'ils ont subi apparaissent comme irréversibles. Les Uldiens vont se débarrasser d'eux dans le plus grand secret. Je préfère être honnête et vous le dire. Je regrette profondément cela, mais il semble qu'ils aient jugé que c'était nécessaire pour éviter qu'Ifrit continue de gagner en puissance. Autrement dit, vous les avez sauvés pour rien. Les héritiers doivent absolument redoubler d'efforts pour éviter que d'autres innocents meurent injustement comme ces malheureux. J'espère que nous pourrons compter sur votre soutien. Je devrais aussi aller parler au général Aldin. Après tout, ces soldats sont directement concernés par notre opération. Il est parti où? Qui est parti? Nous avons perdu Louisoa et notre monde se relève à peine du traumatisme du fléau. On n'a plus le droit à l'erreur. Je ne laisserai jamais un incident comme celui-ci se reproduire. Qui est parti où? J'ai pas suivi votre conversation. Donc, on va reprendre la quête d'après. Kara, tu étais une simple aventurière. Une simple aventurière seule, il y a encore pas si longtemps que ça. En peu de temps, tu as accompli de grandes choses. Tu es devenue émissaire d'une cité avant de rejoindre notre groupe. Et voilà que tu as vaincu Ifrit, un primordial. Est-ce que tu comprends ce que ces actions signifient à l'échelle des Eorzea?
Tu risques d'être victime de ton succès, et cela te tombera dessus plus vite que tu ne le penseras. Veuillez pardonner cette intrusion. Dame Minfilia, vous êtes toujours aussi charmante. Nous avons eu vent qu'une personne d'exception avait rejoint les héritiers de la 7e aube. Et chacun d'entre nous voudrait absolument qu'elle rejoigne sa grande compagnie. Voilà pourquoi on est venu recruter ici en personne. C'est ça. Tu vois, tu es la coqueluche de tous les Orzea maintenant. On parle de toi comme d'une nouvelle guerrière de la lumière. Une aventurière a même de devenir... Une aventurière a même de venir à bout d'un primordial, ce n'est pas rien. Et évidemment, les grandes compagnies vont forcément vouloir recruter une personne avec un tel potentiel. Il suffit que la rumeur se répande pour qu'il se précipite, comme tu peux le voir, c'est la course. Je comprends que les immortels qui ont participé à l'opération avec nous aient été au courant de tes exploits. Mais je me demande bien qui est la pipelette qui allait raconter tout cela aux responsables des autres cités. Je sais tout de vos faits. Vous avez vaincu Ifrit, n'est-ce pas? C'est tout à fait prodigieux. Cridania se souvient aussi de vos exploits encore récents en son sein. Votre lien avec notre cité est sans doute significatif. Nous vous prions donc instamment de bien vouloir rejoindre notre grande compagnie, l'Ordre des Deux Vipères, pour y servir sous les auspices de notre oracle. C'est vous l'aventurière dont tout le monde parle, n'est-ce pas? Bien sûr, je me souviens très bien de vous. Vous avez combattu à nos côtés après tout. Nous aimerions vraiment vous voir rejoindre les rangs des immortels. La grande compagnie uldienne, le général Aldin, vous attend lui aussi pour la gloire de notre cité. Je vois que tu as un air déterminé et courageux, comme la rumeur te décrivait. Notre amiral nous a parlé de tes exploits. Elle pense que tu as les capacités nécessaires pour devenir une héroïne. J'espère que tu décideras de rejoindre notre grande compagnie et de dompter les flots impétueux à bord du Maelstrom. En compagnie de l'amiral et de tous les autres. Minfilia. Oui, oui, j'ai compris. Tu dois déjà savoir tout ça, mais les grandes compagnies sont des organisations militaires destinées à défendre le monde des dangers qui le menacent. Chacune des trois cités, une cité-état plutôt, a fondé la sienne. Il y a le Maelstrom de l'Imsa Luinsa, l'Ordre des Vipères de Lydania, et enfin les Immortels Bulda. Ouais, ouais, j'avoue que sur FF, je trouve que les PNJ ne parlent pas assez, assez d'eux-mêmes. Tu vois, c'est un peu fatigant de devoir tout lire. Mais c'est plus vivant en live de lire les répliques que... voilà. Et, sauf que là, on arrive à une certaine heure où c'est bientôt la fin du live et je suis au bout du rouleau. Du coup, c'est compliqué. Ah, bref. Ah, mais ça va, on va survivre. Prêter allégeance à une de ces compagnies veut dire œuvrer pour le bien de la nation. La défendre, c'est aussi se voir confier des missions. En les accomplissant, tu accéderas à divers avantages et rétributions qui te serviront sûrement dans tes aventures. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas comme si ton choix était gravé dans la pierre. Si jamais la compagnie que tu choisis ne te convient finalement pas, tu pourras toujours en changer plus tard. Ah, j'y pense. Il y a justement la cérémonie aux morts de la bataille de Cartonneau qui vont se tenir prochainement. Et chacun des meneurs des grandes compagnies fera une allocution à cette occasion. C'est sans doute une excellente chance de les observer. Alors, quand on arrive au bout du rouleau de PQ, je le laisse et j'écris dessus improvise. D'accord.
Je pense que tu devrais écouter les trois discours. Cela devrait te donner une meilleure idée du style de chaque compagnie et t'aider à en choisir une. Qu'en pensez-vous? C'est une excellente idée, en effet. Nous nous sommes laissés emporter. Dame Mufilia, vous avez un talent inné pour résoudre les problèmes. J'espère que notre ami arrivera à se décider après avoir assisté aux allocutions. Une fois que les cérémonies de commémoration seront terminées, tu pourras revenir nous voir? C'est une question, je n'ai pas mis l'intonation du film, c'est pas grave. Nous attendrons ici jusqu'à ce que vous preniez votre décision. C'est Tataro qui a vendu la mèche. Tu penses peut-être que c'est un sacré engagement, mais je crois qu'il est dans ton intérêt de rejoindre l'une de ces compagnies, tu sais. Et puis, les personnes ayant des capacités telles que les tiennes sont plus efficaces au sein de grandes organisations. C'est aussi pour ton propre bien, crois-moi. Rassure-toi, même si tu entres dans une grande compagnie, tu feras toujours partie des héritiers de la 7e aube. En résumé, on pourrait dire que les grandes compagnies œuvrent au grand jour pour défendre leur cité, tandis que nous, nous œuvrons en coulisses pour protéger Eorzea tout entière. D'ailleurs, je vais te donner cette ligne perle. Elle me permettra de te contacter à tout moment, que tu sois parti à l'aventure ou en mission officielle. La roue du destin d'Eorzea est en marche, Kara, et j'ai bien l'impression que tu es au cœur de cet élan. J'ai hâte de voir comment notre région va évoluer, mais je suis aussi inquiète. Enfin, ne t'en fais pas, quoi qu'il arrive, je continuerai de t'accompagner. Je veux connaître le fin mot de l'histoire et comprendre tous ces mystères auxquels nous avons été confrontés. Tataru t'expliquera où et quand auront lieu les cérémonies de chaque compagnie. Bon, du coup, il faut aller voir Tataru. Je vais à AFK, juste deux petites secondes, je reviens très très vite. Désolée pour l'attente, je me suis dépêchée. Alors du coup, il faut qu'on aille au refuge des sables. Faut aussi que je fasse le Val, mais le Val on va attendre, hein, parce qu'il est niveau 47, je suis que 45, et qu'en plus je n'ai pas le stuff pour. Donc on va mettre ça en suivi. Tataru, donc il faut juste qu'on sorte. Donc la sortie est par là. Honnêtement, je pense que je vais choisir Gridania, parce que c'est là où je vais acheter les buffs de guilde. Ce sera plus pratique. Ce sera à côté, et en plus c'est la ville par laquelle j'ai commencé. Donc voilà. J'ai bien cru que j'allais avoir des ennuis. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant d'aller bavarder à droite à gauche. J'ai intérêt à faire profil bas quelques temps, moi. Bref. Vous voulez des informations sur les allocutions des grandes compagnies, je me trompe? Il y aura d'une part celle de l'amiral Merluib. Je ne dirai pas son nom de famille parce que c'est une horreur. De l'Imsa Luminsa, qui aura lieu
dans la salle d'état-major du pont de l'amiral, à l'entrepont. Une fois en ville, parlez à Zantael pour prendre l'ascenseur qui permet d'accéder à la salle d'état-major. D'autre part, Canicena, l'oracle de Gridania qui dirige aussi l'ordre des deux vipères, fera son discours à l'amphithéâtre de Miketo, dans la vieille ville. Enfin, il y a l'intervention du général Roban Aldin, qui sera accompagné d'une invitée spéciale selon la rumeur. Pour y assister, vous devrez vous rendre à la promenade royale du district politique d'Ulda. Blowfish Win. Ouais, bah, toujours peur de l'écorcher, donc déjà que il y a plein de noms que j'écorche dans le jeu. Nous avons prévenu les trois cités de votre visite. Vous n'avez plus qu'à commencer par celle que vous voulez. Quand on commence à être célèbre, c'est moins facile de se balader en toute discrétion, n'est-ce pas? Faites attention à vous. Oui! Alors du coup, faut que j'aille à Gridania, Ulda et Lominsa. Lominsa. Je vais juste regarder. Il n'y a pas de quête en particulier à faire. On va aller à Gridania. On a le rapatriement là-bas. On cherche pas, on va à Gridania. Ensuite, sur cette map-là, il n'y a rien de nouveau, normalement. Et il faut qu'on aille à l'amphithéâtre. Donc, l'amphithéâtre. Destination. Mon fils est mort sur le champ. Oui, des voix. Les trois oracles sont réunis. C'était une bataille effroyable. L'histoire de notre cité remonte à plus de 5 siècles. D'abord rejetés par les esprits de la forêt, nos ancêtres ont dû se résoudre à vivre une existence recluse sous terre. Après de longues années à tenter d'établir un contact, ils sont finalement parvenus à obtenir l'autorisation de s'installer dans la Sylve des 12. Guidés par les esprits, les Iyur et les Élézènes ont bâti les fondements de cette nation en travaillant main dans la main. Au fil du temps, des gens de toutes les races les ont rejoints. Cette harmonie et cette unité sont les graines qui, arrosées par la grâce de Nofika, ont permis à Gridania de s'épanouir et de devenir un magnifique Éden. Regardez le drapeau derrière Canicena. Les deux serpents blancs qui s'entrelacent représentent l'unité entre les Yur et les Élézènes. C'est un symbole fort de l'histoire du peuple Gridania. Conformément à la volonté des esprits, nous avons adopté un mode de vie proche de la nature. Hélas, nos voisins ne partageaient pas ce désir de paix. Nous autres, Gridaniens, sommes un peuple pacifique, mais nous ne tremblons pas face à l'agresseur. Nous avons toujours combattu pour protéger la sacralité de la Sylve des 12. Lorsque l'Empire de Garlemald a montré ses ambitions conquérantes, nous nous sommes ralliés sous la bannière de l'Ordre des Deux Vipères afin de pouvoir faire face à l'envahisseur. Nous avons ensuite ouvert la voie aux négociations qui ont permis la restauration de l'Alliance Eorzéenne afin que le peuple d'Eorzéa puisse faire front commun contre l'ennemi. Les soldats de l'Alliance ont livré un terrible combat contre les Impériaux sur la plaine de Cartenau il y a 5 ans. Cette bataille s'est avérée l'une des plus sanglantes de notre histoire. De nombreux Gridaniens ont perdu la vie ce jour-là. Je m'en veux énormément,
car en tant que chef de l'ordre des deux vipères, j'estime avoir une grande part de responsabilité dans tout cela. Et la tragédie ne s'est pas arrêtée là. Le fléau qui a suivi la bataille a profondément meurtri la forêt. Aujourd'hui encore, la sylve porte les stigmates de la catastrophe. Le chaos s'est installé là où jadis l'harmonie régnait. Nos vies ont été irrémédiablement changées, et chaque jour est une lutte pour survivre. Face au désespoir de leur situation, certains se sont écartés du droit chemin pour se tourner vers le banditisme ou le braconnage. Pour aggraver le tout, les Ixalis sont revenus en force, galvanisés par la destruction. Ils terrorisent nos citoyens et pillent la sylve sans vergogne pour irriter les esprits. Notre mère patrie est plus que jamais menacée. C'est vrai que les flèches divines sont débordées. Les vigiles sombres sont constamment sur le qui-vive. Il y a 5 ans, jour pour jour, nos frères et nos sœurs se sont sacrifiés pour une Eorzea libre. Puissions-nous rendre hommage à leur mémoire. La plupart des gens n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne vois pas comment ils pourraient honorer la mémoire de quiconque. Malheureusement, le conflit qui nous oppose à l'Empire de Garlemald n'est pas encore terminé. Bonjour. Salut Yume, ça va? Bah oui, t'es en stream? Ouais. Ah, pardon. je te fais juste un gros bisou, voilà. Ça marche, à plus tard? À plus tard, ouais. Des bisous. Des bisous. Pendant que nous reconstruisons nos vies et nos maisons, l'ennemi renforce sa présence sur notre sol, allant jusqu'à bâtir une forteresse d'acier dans la sylve. Les Garlemaldais restent la plus grosse menace pour notre avenir. Notre seule chance de nous en débarrasser une fois pour toutes, c'est de nous unir à nouveau. Il est facile de perdre de vue notre unité en cette période de trouble, mais l'unité est justement ce qui définit les Gridaniens. Nous sommes réunis ici pour célébrer les valeureux soldats morts au combat. Qu'ils soient honorés par nos mots et nos pensées, mais aussi par nos actions. Gridaniens, Gridaniennes, rassemblons-nous à nouveau sous l'étendard de l'ordre. Et tous ensemble, rendons à la sylve sa splendeur d'antan pour le bien de nos enfants et des générations futures. Bravo! Ouais! Protégeons la sylve! Pour Gridania! C'est pas faux, Ether. Pas faux. Permettez-moi de me présenter. Je suis Alfino. Et voici ma sœur, Alizée. Nous voyageons dans les grandes cités-états pour assister aux cérémonies de commémoration en l'honneur des morts de la bataille de Cartenau. Nous écoutons avec grand intérêt les allocutions des chefs des grandes compagnies. Ils ont tous une vision très enrichissante des événements passés. Qu'avez-vous pensé du discours? Les enjeux auxquels est confrontée Gridania sont assez complexes. Elle doit faire face à non pas une, mais 2 tribus barbares. D'une part, il y a les Ixalis. Les hommes-oiseaux vénèrent Garuda, la déité des vents, comme Canessena l'a dit. Mais il y a aussi la sylphe. Ces créatures sont plutôt amicales d'ordinaire, mais ces derniers temps, leur attitude semble s'être radicalisée et elles ont invoqué leur primordial Ramush. Gridania est un pays traditionnellement pacifique.
rattrapé au dernier moment. Là, je voulais la déité des vents. Oh, je suis pas sûre que ce soit le même vent. Jusqu'à présent, ses habitants négociaient et concluaient des traités avec les sylphes, d'une part, et faisaient en sorte de repousser les invasions d'Inzali, d'autre part. Pour eux, préserver la puissance de la forêt et repousser les invasions maintiendrait la paix à Gridania. Mais cette politique a atteint ses limites. Les Inzali sont belliqueux et leur puissante déité Garuda est agressive et cruelle. L'ordre des deux vipères devra tôt ou tard mener une grande bataille contre les Inzali, même si cela va à l'encontre de la volonté de pacifisme de la cité. Gridania a désespérément besoin d'aventuriers droits et forts comme vous dans sa grande compagnie. L'heure est venue pour elle de fourbir ses armes pour mieux protéger l'harmonie à laquelle elle tient tant et préparer la paix. Pardon pour la sonnerie, de demain, même si cela veut dire avoir recours à la violence. Quelque part, c'est un peu à vous que s'adressaient les mots de Canetina. Voilà, ensuite il faut que je fasse les deux autres, mais ce sera pour une autre fois. Ouais, c'est vrai qu'après je vais débloquer le JCJ, il faudra que j'en fasse un peu pour montrer aux gens ce que c'est. Ça peut être sympa. Bon, par contre ce sera pas du Fist, je pense que ce sera du JCJ classique. Hein. Je sais pas si ça... Si ça attaque bien en fist encore maintenant. Entre 16 et 17, ouais. Les lives sont à 18h. Écoute, on verra. On verra quand on y sera. Je l'ai renvoyé, hein. Oui, je l'ai renvoyé. Elle est niveau 3. Yes. Eh bien, c'est une fin de live. On va pouvoir aller raid quelqu'un. On va voir qui est en ligne. Qui allons-nous raid aujourd'hui? J'ai quelqu'un. Bon, il y a déjà du monde, mais bon. Elle fait du FF également. Et elle est très sympathique. Elle fait plutôt du contenu HL. Et donc voilà. Donc, merci d'avoir suivi le live, merci d'être passé. Et également, je voulais vous dire que demain, je stream de 18h à 20h30 sur Monster Hunter. C'est Lady Yunae. Et elle est cool. Voilà. Bonne soirée à vous, je vous invite à follow Lady Yunae également, parce qu'elle est vraiment sympa. À demain!